Vivre FM podcast. Les bons plans d'Audrey avec I Will Share, la communauté des bons plans handicap. Bonjour Audrey Sauvignet. Bonjour Benjamin, bonjour Dominique. Bonjour Audrey. On les attend avec beaucoup d'impatience, vos bons plans de cette semaine. Et oui, donc cette semaine je vais vous parler de GPS adapté et collaboratif, d'une balade urbaine en joëlette et d'un concert de rap. Et nous débutons par un GPS adapté. Qu'est-ce qu'on entend par GPS adapté Audrey ? Eh bien les randonneurs ont leur propre GPS, les cyclistes également, et pourquoi pas les personnes en fauteuil roulant ou les non-voyants. C'est exactement ce que s'est demandé Arthur Alba quand il a cofondé Streetco, un GPS piéton collaboratif qui s'adresse à tous et toutes. Est-ce que moi aussi je peux participer ? Mais bien sûr, plus on est fou, plus on rit. Il vous suffit de télécharger l'application mobile Streetco sur Android et l'App Store et de signaler les obstacles que vous observez dans l'espace public, la route, les trottoirs, pour peut-être remporter la palme du meilleur contributeur et ouvrir une voie royale à l'accessibilité. Alors vous retrouvez plus d'infos sur streetco.com et on l'espère prochainement partenaire de Wilson. Et du coup, maintenant qu'on est bien équipé avec ce GPS, on va où Audrey ? Eh bien, je vous propose de résister au froid qui s'installe et d'aller se balader sur les rives de la Garonne à Toulouse, dans le quartier emblématique de Saint-Cyprien. Alors, une petite visite guidée et accessible pour les personnes en fauteuil roulant grâce à des joëlettes. Alors, la joëlette, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, expliquez-nous un petit peu. Moi, pas du tout. Alors, vraiment, je découvre. C'est une sorte de chaise à porteur, mais qui roule. Exactement. C'est, ouais. C'est un système de monoroue qui permet aux personnes en fauteuil roulant donc d'accéder à des endroits difficiles. Alors, bien souvent, on les utilise pour les randonnées accessibles, pour rendre une randonnée accessible en montagne, comme le fait habituellement l'association Humaine, Univers Montagne Esprit Nature, hein, c'est l'acronyme. Donc, celles et ceux qui souhaitent visiter la ville rose avec cette joëlette, ça se passera à 14h30 demain. Il suffit de réserver en écrivant à l'adresse mf.fabriès@toulouseatout.com et vous retrouverez ces infos sur vivrefm.com. Voilà. Il me semble, Audrey, que vous avez également un bon plan pour nous réchauffer les oreilles. Alors, je sais pas, moi, ce matin, je peux pas chanter, c'est un peu difficile. Mais Eh bien, je ne vais pas le faire non plus, mais si vous voulez vous réchauffer, pas de souci. Alors, j'ai ce qu'il faut, un bon plan chaud bouillon qui se passe à l'autre bout de la France, pour le coup. On part à Rennes pour un concert de rap et d'électro ouvert à tous. C'est organisé par l'APF, ça se passe jeudi prochain, le 29 novembre, au 4 bis Cours des Alliés, de 20h à 1h, avec en line-up, alors je ne connais pas, mais Young Biggie, apparemment, c'est quelqu'un de connu par là-bas, et il sera accompagné de ses amis. Alors tous ces bons plans, vous les retrouverez évidemment sur Wilson, et sachez que depuis peu, il vous est désormais possible de partager à la fois des bons plans, des lieux et des événements en cliquant sur contribuer, donc sur Wilson, le majordome des bons plans handicap. Merci Audrey, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine et puis d'ores et déjà en podcast sur vivrefm.com. Merci. Retrouvez les bons plans d'Audrey avec Wilson, votre majordome handicap, sur iwillshare.com et sur Facebook Messenger. Vivre FM podcast.